والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه صريح البيان صحيفة 427 في آخر الصحيفة، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في أكبر كتبه كتاب الأم: ما نصه وله أي الزوج المسلم منعها أي زوجته الكافرة الذمية من الكنيسة والخروج إلى الأعياد وغير ذلك مما تريد الخروج إليه إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق، كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة، لأنه يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في كتاب الأم أنه إذا تزوج المسلم كتابية له أن يمنعها أن تخرج إلى الكنيسة وإلى الأعياد، كما أن له أن يمنع زوجته المسلمة أن تخرج إلى المسجد. Alors l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm, nous on est en train de dire qu'est-ce qu'ils ont dit l'imam, nos imams au sujet. On a déjà dit qu'on peut pas aider une personne à désobéir et on peut pas aider une personne à faire la mécréance. Maintenant la question que Shafi'i qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet dans son livre Al-Umm? Il a dit que le mari musulman, il peut interdire à son épouse qui n'est pas musulmane d'aller à l'église ou sortir dans les fêtes. C'est ce qu'il a dit l'imam al-Shafi'i. Il a dit, puisque lui, il a le droit de dire à son épouse musulmane de ne pas sortir, même pour aller à la mosquée, alors il a dit, voilà, même pour la chrétienne, il peut l'interdire d'aller à l'église. قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ما نصه فصل، قال أحمد: في الرجل له المرأة النصرانية لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة وله أن يمنعها من ذلك. شو بيقولوا بالمذهب الحنبلي؟ ابن قدامة الحنبلي دون سون ليفر المغني الجزء العاشر صحيفة 624 la page 624 du 10e volume. Il dit que l'imam Ahmad a dit dans concernant l'homme qui a une épouse chrétienne qu'il ne lui donne pas la permission qu'elle aille dans une fête ou d'aller dans un temple. Et il a le droit de l'empêcher de faire ça, de sortir pour ça. وفي كتاب الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي ما نصه ثم إذا تزوج المسلم الكتابية فله منعها من الخروج إلى البيعة والكنيسة كذا في السراج الوهاج. Alors dans le livre Al-Fatawa Al-Hindiya, au premier volume, à la page 281, et c'est un livre au sujet de l'fiqh al-Hanafi, il a dit que le mari musulman, s'il a une femme parmi les gens de livre, il peut l'empêcher de sortir vers l'église ou la synagogue, et il a dit la même on trouve dans le livre Al-Siraj Al-Wahaj. فقد بان من مجموع الأدلة المذكورة للمصنف في هذه المسألة من تحريم مساعدة الزوجة غير المسلمة على الذهاب إلى كنيستها أن ذلك قطعي التحريم وإنكار ذلك تكذيب لله ورسوله. Alors après ce qu'on a cité de l'auteur au sujet que l'homme n'aide pas son épouse qui n'est pas musulmane à aller à sa temple ou là où elle va faire l'adoration d'autre que Dieu, que dans l'islam on ne peut pas aider une personne à désobéir, que c'est une chose catégorique, il n'y a pas de divergence à ce sujet, et le fait de nier ça c'est comme rejeter la parole de Dieu et la parole de son messager. إذا كان الوعيد الشديد في حديث بيع العنب لمن يتخذه خمرا لأن فيه إعانة على المعصية فما بالك بالذي يعين على عبادة غير الله. يعني dans le hadith que celui qui garde le raisin pour le vendre pour celui qui va faire l'alcool, il y a un très dur châtiment à ce sujet. فقد تقحم النار على بصيرة. Il va aller à l'enfer avec toute clarté suite à ça. Alors aider une personne à faire de l'alcool, c'est un grand péché. Que dit-on alors si on aide une personne
adorer autre que Dieu. إذن الإعانة على المعصية معصية والإعانة على الكفر كفر. وأما مسألة التكفير بإعانة شخص على كفر فهي مسألة مستقلة. Maintenant, la question aider une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance, c'est une question à part. يعني الأمر واضح. وإن كانت تلتقي مع هذه المسألة في بعض صورها. يعني ce qu'on vient de dire, il rejoint cette question. وتحصيل القول فيها أن إعانة الشخص على عمل الكفر كفر كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري في المسلم الذي بنى دارا للكفار يعبدون فيها غير الله قال إرادة الكفر كفر أبو الحسن الأشعري nous on a dit aider une personne à faire la mécréance de la mécréance Et l'imam al-Hassan al-Ash'ari a dit au sujet d'une personne qui a construit un temple pour adorer autre que Dieu, il a dit, vouloir la mécréance, c'est de la mécréance. Et toi, tu as construit un temple dans lequel on adore autre que Dieu. Alors, il a dit, c'est de la mécréance. فَمَنْ قَصَدَ بِإِصَالِ الْمَرْأَ الْكَافِرَةِ إِلَى مَكَانِ عِبَادَتِهَا لِأَنْ تُعَدِّي شِعَارَهَا الْكُفْرِيِّ فإذا هذه المسألة هي نفسها التي ذكرناها فقد كفر. Alors celui qui a ramené une femme ou un homme, une femme ou un homme, à un endroit où il va adorer autre Dieu. Lui il sait, il l'a ramené. رجعنا لكلام الأشعري إرادة الكفر كفر. Vouloir la mécréance, c'est de la mécréance. Alors ramener quelqu'un à faire la mécréance. Et toi, tu sais qu'il va faire la mécréance, c'est de la mécréance. وكذلك إذا قصد أن ما بعد ذلك من شعار الكفر وعبادتهم وصلاتهم. يعني voilà, s'il sait qu'il va faire leur adoration, leur signe de mécréance. أما من لم يخطر له ذلك إلا مجرد المساعدة على هذا البناء يعني يمكن يخطر باله أن هذا البناء بيأكلوا فيه يمكن يخطر له هذا البناء ينام فيه المقطوع في السفر يمكن يخطر في باله أنه عابري السبيل أو الفقراء يلجأون إليه لم يخطر في بالي أن هذا المكان إذا بنيناه يعمل فيه الكفر فهنا لا يكفر C'est lui qui a aidé à construire. S'il n'a pas pensé que c'est un endroit où, si on construit, ils vont adorer autre que Dieu. Il n'a pas pensé à ça, mais peut-être il a dit, oui, c'est un endroit où ils se réunissent pour manger, ils se réunissent pour laisser les gens pauvres dormir, ou celui de passage, il n'a rien où dormir, il dort ici. S'il a seulement ça dans la tête, il n'a pas mieux. لكن أنت بتعرف أنه رجعنا للقاعدة التي قالها الأشعري إرادة الكفر كفر إرادة الكفر كفر vouloir la mécréance c'est de la mécréance je peux pas aider une personne à faire la mécréance je peux pas aider une personne à faire le péché aider une personne à faire un péché c'est un péché aider une personne à faire la mécréance c'est de la mécréance Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam